Un Bordelais s'est couché. Et de nouveau, cette équipe bordelaise a peut-être un bon coup à jouer avec le Maurice qui va porter ce ballon pour servir sur son extérieur. Un de ses partenaires, c'est bien fait. Ouais. Rally qui est stoppé. Et monsieur Cardona qui intervient. Et attention, la main à la poche de monsieur Cardona. Et c'est un carton rouge. Carton rouge pour Sergio Parisse. Attention. Je vous expliquerai dans le vestiaire. Vous avez fait un grand erreur. Oui. Vous avez fait un grand erreur. Je supporte pas de me faire insulter, surtout en plein terrain. Je ne m'insulte pas. Dehors. Je lui dis qu'on peut pas jouer comme ça. Dehors. C'est un grand erreur, monsieur. Vous avez fait un grand erreur. Chacun doit se prendre les responsabilités. Total sur la pelouse, ça nous a évidemment échappé. Et Sergio Parisse, ouais, alors là, complètement pris à dépourvu. S'il y a eu insulte, monsieur Cardona, effectivement. Insulter le directeur de jeu, ça c'est clair et net. Mais c'est pas son, enfin, c'est pas son genre. Hein. Et pourtant, ça, je parie, c'est pas le genre de. Il a pas eu personnalité, ce mec. Il veut se faire répliquer en faisant cette décision de merde. Franchement, c'est une honte, monsieur. Franchement, vous devez avoir honte. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une incompréhension. C'est pas rugby, hein. Ça, c'est pas rugby. C'est des mecs qui sont pas des personnalités. On va suivre ça, évidemment. Voilà, belle anticipation de Senzel, je crois, sur le pied gauche de du deuxième centre bordelais. Belle anticipation, vraiment très belle anticipation défensive. Hein. C'est pas mais attention, Vincent Etcheto, on l'a vu ici, et bien voilà, l'essai accordé. C'est pas possible, c'est pas le même ballon. Au Stade français, et encore beaucoup, beaucoup de confusion sur la pelouse du Stade Charletti. On est en train de vivre une rencontre compliquée. De toute évidence, il n'y a pas essai, c'est pas le bon ballon. Hein. On n'a pas exactement. Le droit de. Ah oui, c'est pas le bon ballon, parce qu'il est à côté de moi le ballon. Bon, et tu l'as pris, j'espère, pour le ramener à la maison. Non, mais c'est ce que disait Camille Lopez à l'instant. Mais oui, mais c'est fou. Mais ça c'est l'effet domino. C'est le carton rouge, ouais, c'est ça. C'est le carton. C'est plus une erreur que de la compensation, clairement, Jean-Pierre Rousseau. Il est déstabilisé par sa décision, qu'il a prise en âme et conscience, mais qui le perturbe. Et écoute, ça peut arriver, ça arrive, on le sait, on le connaît. Et cet essai de troisième pour le Stade français transformé à l'instant par Julien Dupuis, on voit ça, Jean-Pierre, regardez. Non, c'est incroyable. Et l'arbitre de touche doit signaler que de toute évidence, ça ne peut pas être le bon ballon. Mais vous avez vu que le juge de touche avait les yeux, le regard en tout cas, qui n'était pas en direction du porteur de balle. C'était le bon ballon sur le dernier moment. Comment ? C'était le bon ballon sur la remise en jeu. Bon, il est autant mérité que le carton rouge alors qu'on domine une première mi-temps. Ouais,